D'après Raiden, je serais issu d'une secte guerrière de la Méditerranée. Des guerriers au service des dieux. J'ai jamais pu invoquer à nouveau ce halo vert. Pour Raiden, il a été déclenché par la vue d'un être aimé à l'agonie. Et toi, Cassie, tu peux aussi générer un truc comme ça, ou ça a sauté une génération? Eh, doucement, Jin. On n'a pas eu besoin de halo au Darfour, ni en Iran, ni au Kurdistan. Pas vrai, Jackie? Ça, c'est sûr. Les Shaolin t'ont déjà envoyé là-bas, Jin? J'en ai vu plein des conflits, et Takeda aussi. Des trucs qui feraient chier dans leur froc, les forces spéciales. Ta gueule! Du calme. Si vous êtes là, c'est que vous le méritez. Écoutez, vous êtes tous uniques et formidables. Bref, ça vous a vraisemblablement échappé, vu que j'ai pas reçu vos cartes de vœux. Mais sachez qu'on fête aujourd'hui nos 6 semaines en tant qu'équipe. Le secrétaire Blake est très satisfait de nos progrès. Même si on lui crachait à la figure, il serait très satisfait de nos progrès. C'est quand même lui qui a demandé à Monsieur Cage de former l'équipe. Je suis content que les Shira et Ryu m'aient envoyé. Ces nouveaux endroits, ces nouvelles rencontres... Comme l'a si bien dit le secrétaire, nous autres vétérans devrons un jour prendre notre retraite. Et c'est votre génération qui assurera la relève. Les Shaolin, les forces spéciales, les Shira et Ryu, tous ensemble. Pour votre première mission en équipe, vous irez au temple des Lin Kuei. On n'a pas de nouvelles du grand maître depuis un bail. Il faudra donc s'assurer qu'il est toujours de notre côté. Et qu'il sera là pour nous aider si les choses s'enveniment avec l'outre-monde. Sub-Zero doit nous rejoindre, mais ne vous étonnez pas s'il ne se montre pas très coopératif. Qu'est-ce qui se passe avec l'outre-monde? Je pensais que Kotal Kahn respectait les accords de Reiko. C'est le cas, mais il est face à une guerre civile. Si les rebelles gagnent, ces accords seront vite oubliés. Elles vont rien du tout, ton offre, là. Kotal Kahn a toujours été juste en affaire avec toi, Kenno. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quand même. Des armes améliorées, mes infos, et paf, l'interminable guerre civile. Fini. Ça vaut bien quelques billets de plus, non? Tu sais où se trouve Milena. Et toute son armée de rebelles. Je dirais que ça vaut bien... 50. Nous devons l'attaquer, immédiatement. Mettre fin à cette guerre. Elle nous étouffe. C'est un fait. Ouais. Bon, marché conclu. Qu'y a-t-il, Devora? Que l'Empereur ne s'inquiète de rien. Un petit incident. Celle-ci s'en occupe. Faites place à Kotal Kahn! Allez! Les Tarkatan sont en place. Nous attendons ton ordre. Alors j'ordonne, ma chère Tanya. Arrêter un convoi, ce n'est rien. Mais tuer un empereur... Un imposteur... requiert de la puissance. Ça, tu en as, Milena. Mais tu refuses de t'en servir. L'utiliser, mes douloureux Rain. Il me faut plus de temps. L'imposteur est sorti beaucoup trop tôt. La chance doit savoir se saisir. Peu importe. Si Kano fait ce pourquoi je l'ai payé. Allez! Maintenant! Yeah.
Acta Tocnorae. Je te le fais pas dire. Qu'un mensonge. Garde tes 50 millions. Milena m'a offert le double pour t'éliminer. Keno, c'est toi qui ne vaux rien. Tu es l'Edenienne, Tania. Je suis flattée que tu me reconnaisses, Kwatal. Je n'oublierai jamais ceux qui ont libéré Milena. Elle nous a promis un Edenia libre, quelque chose que tu avais refusé. L'outre-monde doit être uni si nous voulons vaincre nos ennemis. Tant que tu régneras, il ne pourra être uni. Ta rébellion est le seul obstacle. Ah!
déplore la pitié du Khan. La mort est universelle. Tu as tort de faire confiance à Milena. Elle me défie pour la dernière fois. Milena. Kano devait te tuer, misérable serpent! Konaté! Ote Mayas! Un autre Édénien. Le soi-disant demi-dieu. Kogatia ! Je suis le fils d'Argus. Je n'ai pas été proclamé dieu par une bande de rustres superstitieux. Milena se doute sûrement de tes véritables intentions, fils d'Argus. Mes intentions sont de t'apprendre la différence entre Dupris et pouvoir divin. Implore la pitié du Khan. Il ne m'impressionne pas.
barbare croit. Monor. À genoux. Oh.
que ça te serve de leçon. Tu ne le toucheras plus jamais. Mais moi, si. En tant qu'héritière de mon père Shao Kahn, moi, Milena, Kanoum de l'Outre-Monde, ordonne ton exécution! Quelqu'un sera exécuté aujourd'hui. Ta rébellion va être punie, Milena. Ton sang versé fera justice. En haut de l'escalier, à côté du foyer. Notre empereur. Une petite chatte devenue un jaguar. À la zone de largage, on se sépare. Jackie et moi, on entre par le sud, vous deux par l'ouest. On se retrouve ici, à l'entrée nord. Et ensuite, on le chope et on se fait la malle ? S'il résiste, on l'assomme. Ne va pas t'imaginer qu'il n'opposera aucune résistance. T'inquiète. Tu peux me croire, Sub-Zero ne verra rien venir. Les défenses avant se sont retirées comme convenu, grand maître. C'est confirmé. Quatre intrus. Alors allons donc saluer nos invités.
Ok, je passe devant. Toi et Jean, par là. Allez! On y va. Toi, je dois... Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Quelles sont vos intentions? Grand maître, il faut nous accompagner. Je suis le sergent... Vous me demandez de coopérer, mais vous êtes isolés, encerclés. Qu'allez-vous faire? Mon père t'a en haute estime, Sub-Zero. Il veut te parler. Parler, toujours son premier recours. Ok, si tu préfères la baston, allez! Non! Cassandra Cage, tu diriges ce groupe, mais il ne t'écoute pas. Que ferait ta mère, dis-moi? Elle te démolirait sans attendre.